J'ai deux blessés du coup. Qu'est-ce qu'on a? Sinek est blessé, qu'est-ce qu'il a? Une entorse. On va le soigner. Hein. Ça. Ok. Vilko, qu'est-ce qu'il a? Rupture des ligaments croisés. Attends, avec tout ce qu'il a ramassé, le pauvre Vilko, je pense que ça vaut bien une potion. Du loup, bah c'est bien, si j'en cherchais, j'en ai. Par contre, ça va peser une tonne, évidemment. Forge, gagne un niveau, c'est mérité. Alors, posture défensive, l'unité gagne déviation si elle est engagée, obtenez un point de bravoure. Chaque fois qu'une attaque touche plusieurs ennemis, obtenez un point de bravoure. Ouf. Chaque fois qu'une unité s'engage, gagnez un point de bravoure. Peut-être mettre ça. Je vais peut-être mettre ça. T'as des armures lourdes, hein. Ouais. Pour forge, qu'est-ce qu'on lui met? Du critique, du mouvement en plus ou de la constitution? Je pense que la constitution, ça sera bien pour pour forge, pour le tank. Ok, on est un peu trop lourd. Donc la viande de loup, surtout pas l'acheter. Par contre, les carcasses, ça pèse une tonne. Donc ça va dégager. Et on va pas réparer parce que la ville est juste à côté. Donc on va y retourner. La traque est terminée. Non, mais pas les 10 par contre, mais je peux pas en effacer juste un, je sais plus comment on fait. Ok. Allez, on va retourner en ville. Ah non. Putain. Ah oui, mais là non. Mise à vos crocs étrangères pour point que ça vous de vous laisser partir. 5 soudards de niveau 9, ils sont 9. Non, non. Peut-être gentil, mais là. Donc on a dit. Oh, mais je peux même pas les payer en fait. Un jour, 22 h, ouais, ça va être chaud. Réparer. Des trucs qu'on peut vendre dans le rien du tout, je crois. Rien du tout. Bon bah ok. On va aller chercher rapidement, il y a une mission qui était juste au bout là-bas. Non, on va pas faire ça, on va d'abord dormir. Plus de points de bravoure. Et on ira les taper devant. Ouais, parfait. Donc, on va cuisiner. Forgeon, le cuisinier, bien sûr. Cuisine moins douce. Voilà, du bon porc grillé par forge. Merci. Et on va se reposer. Donc, on va bouffer les carcasses parce que ça pèse une tonne. L'anguille parce que je l'ai volée. Et puis pas le porc grillé du coup, hein. Il y a pour ça. Hein. Hop, allez. Et on va se reposer. Incroyable, merci. On peut désormais avoir un lieutenant parmi les compagnons. Ah! Est-ce que je m'auto-proclame lieutenant? Où est-ce que je mets forge lieutenant? Coup de sang. Ça sert pas à grand chose techniquement, hein, mais. Allez. Allez, let's go. On va attaquer cela.
Du coup... Enfin, je sais pas s'il faut les attaquer. Si, il faut les attaquer. Renaud le méchant. Détruisant des braconniers. Ça devrait aller. Agressivité du chef. Ok, donc là, je crois que c'est noir. Le chef. Le chef, déjà. Toutes ces unités, tant que cette unité n'est pas engagée, elle et ses alliés ont agressivité du chef. Cette unité inflige toujours des dégâts critiques. Sympa. Sympa, sympa, sympa. Un peu pour moi, mais sympa pour eux. Bon, on va se mettre plutôt dans le fond là-bas, hein. On va se mettre plutôt dans le fond là-bas. Qu'est-ce qu'il joue après? Lui. Les trois braconniers sont là. Ok. On va se mettre tout là-bas. Là, je peux pas. Il y a forcément un qui va ramasser. Non, pas pour celui-là. Ok. Forge, hop, tu viens là. Tu vas venir là. R2 là. Et Vico, il va venir là. C'est parti. On va l'engager. Boum. Vico est vraiment. Pas énervé Vilco, hein. Bam! Dans les dents. Sur un groupe de 7, il y a un lieutenant, ouais. Il y a un capitaine aussi. Vilco est capitaine. Toi, t'es un peu loin aussi. Ensuite, c'est à qui ça, ce truand là? D'accord. On va faire dans l'ordre. Hein. L'ordre tactique. Oui. Ah non, c'est forge. Il forge le lieutenant. Du coup, il se porte du lieutenant, c'est sa sabre tactique. L'allié ciblé effectue une attaque d'opportunité contre son adversaire engagé. Trop bien. Il peut pas prendre l'avance, lui? Non, il a pas envie. Voilà, ça c'est fait, et donc il en reste un là. Désolé, trop fort, hein. Trop fort. Tiens, regarde, tu voulais du sang, des larmes, regarde, tu vas voir, tu vas en donner, R2, regarde, regarde bien, boum, incroyable, regarde, R2 en fureur. C'est l'archer là-bas qui va jouer. C'est pas grave, il va quand même y aller. Hein. Allez, je vais aussi rentrer en fureur. Bim. Donc là typiquement voilà, le repousser c'est très bien, même je suis quand même à portée, mais s'il fait repousser plus ralentissement, typiquement bah là je l'aurais peut-être pas eu là. Donc là du coup on va aller lui faire la sauce.
Bim. Ah, fallait pas l'énerver. Hein. Il en reste deux. Qui c'est qui joue en premier? Celui qui est devant. Dommage pour lui. Hein. Parce qu'il y a Vico juste à côté. Voilà. J'ai des points à utiliser. Je peux même en gagner plus, mais bon, je vais pas avoir besoin. Si, on va faire comme ça. Voilà. Vico en fureur. Il va attaquer le suivant. Peut-être même le tuer. Bon, même pas. Presque. On peut peut-être le capturer celui-là, tiens. Ça fait longtemps qu'on n'a pas capturé un mec et comme on a besoin de thunes, là, ça pourrait être une bonne idée là. Ça marche. Combien de 90% de chance? Allez. Il l'a raté. Ah bon, super. C'est bon. Alors, on va se faire un peu de thunes comme ça. Ouh, il y a du matos. Crochet, dague d'empoisonnement, un bracelet en lapis, du cuir, une tunique de hors-la-loi, les crônes et la dague du meneur. Ah bah allez, on va se faire une petite session d'équipement. Un petit niveau sup, on va commencer par ça d'abord. Donc le maître d'armes, il peut prendre la posture défensive, non, entraînant valeureux, enchaînant valeureux. Chaque fois que vous donnez une touche plusieurs ennemis, vous gagnez un, ça peut être bien. Peut-être prendre celui-là pour le coup. Je lui avais donné quoi lui? Ouais, parce que je lui ai donné ça, les deux attaques. Donc lui, il a plutôt attaque de zone. Je vais lui donner ça. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Constitution, mouvement ou critique. Il a déjà plus d'un mouvement, je crois que c'est à cause de la tenue. Non. Il a plus d'un mouvement tout court, déjà de base. Et je peux lui remettre plus d'un mouvement. Ça peut être bien, hein, parce que les cartes sont grandes quand même. Je vais lui mettre du mouvement. Ok. Maintenant. Donc, on va regarder à qui on met ça. Plus 1 d'armure, plus 1 de critique. Peut-être plus ça pour moi, pour Sinak. Ça ferait moins 2 d'armure, mais plus de mouvement et un point de critique en plus, ça peut être bien. La dague. Ça ferait empoisonnement au coup du poignard. Coup du poignard, c'est quand même pas mal avec l'embuscade. L'empoisonnement, c'est pas dingo. La dague du meneur, ça par contre. Inflige 11 dégâts à toutes les unités dans la zone. Si cette unité touche plusieurs unités, crée un nuage de poison sous chacune d'elles. Ça peut être bien quand même. Ça peut être bien. Je vais la donner R2. Je vais la donner R2 sus. Je pense que ça peut être pas mal. Vilco, 13 d'armure, ouais. 12 d'armure, ouais. Chester 12, Oaken 12, Squash, regarde en dernier vu que c'est quand même l'archer quoi, donc pas trop besoin. Bon bah ça va être pour R2 je crois. Hop, et donc Squash il va prendre celle-là, il y a déjà. Ok. Un bracelet de fer, une babiole à vendre. Ok, bon bah bien, très bien. Très bien. Allez. On va ramener les sous. Et ramener le prisonnier après. Comme ça on sera tranquille pour un petit moment. Donner une dague de meneur à R2, c'est la fin du groupe. Il faut vivre dangereusement des fois. Hein. C'est fort, mais eux ils sont un peu badass. Et j'imagine que si je vole ces mecs, ça peut très mal se passer. Oui, ça va très mal se passer. Ok, on s'en va.
Alors, maître forgeron. Donc on va commencer par réparer ce qu'on a et on va vendre ça. Donc la dague abîmée. Au revoir, au revoir. Le surin rouillé, au revoir. On avait 2-3 babioles aussi. Le bracelet de lapis lazuli, au revoir. On n'a pas un autre truc encore là qui traînait? Non, c'est bien. C'est bien déjà. Si ça. Hop, ça sert à rien. Ok. Alors on a des fioles vides et pas mal de plantes. Je vais voir si je peux pas refabriquer des remèdes chez l'apothicaire. Ouais. Bah voilà, je peux refaire des remèdes. On va refaire ça du coup, hein. Je vais en faire deux. Avec toutes les plantes que j'ai ramassées. Parfait. Voilà. On avait du loup, donc ça c'est bien. Est-ce qu'on a besoin de sel? J'ai pas l'impression. On va juste repasser du coup au tableau. Ici. Collecter les primes, voilà. Pour l'instant, pas trop besoin. On va rester comme ça. Alors, 379, donc là c'est bien. Là on a de la thune, on attend de revenir. Du coup, je vais peut-être. Si, je vais d'abord aller livrer le prisonnier. Je vais d'abord aller livrer le prisonnier parce que sinon je vais devoir le nourrir et ça me fait. On va aller livrer le prisonnier. Bonjour. Ouais. Livrer un prisonnier. 90. Voilà. On a de la corde, les fers on en a, on n'a pas vraiment besoin de tout ça. Ok. Allez, on va partir dans les bois. Maintenant qu'on a la viande de loup, on va aller chercher un autre truand là-bas. Histoire que Chéri puisse intégrer la bande quand même, hein. Ça c'est encore des fleurs, mais j'en ai plein, donc on va éviter de trop alourdir le bordel. Ça c'est quoi? Du bois aussi, j'en ai plein, c'est bon. Des cochons là-bas. Y en a beaucoup? Ferme du sous-bois. Alors, bonjour monsieur. On va vous recruter. Taurus. Taurus rejoint le groupe. Félicitations. Donc Taurus. Taurus, il a la peste. Eh ouais, alors attends, bah, du coup. On a dit. Hop là. J'essaie de pas faire d'erreur. Voilà, comme ça je crois. Ouais, c'est ça. Y a pas de B majuscule au milieu. Ok. Voilà. Un guerrier niveau 3, c'est pas mal quand même. Et il a été contaminé par la peste, donc on va quand même le soigner. Voilà. Sympa, tu vois. Donc, ouais, on va prendre la volonté. Et mouvement plus 2. Alors, Berserker, inflige 3 4 dégâts à la cible et gagne fureur. Ouais. Bourreau, inflige 5 dégâts à toutes les unités de la zone. Attaque une fois chaque unité dans la zone. Ouais. Ou alors, ovation, toutes les unités gagnent riposte. Toutes les unités alliées engagées, c'est bien ça. La prochaine fois que cette unité est attaquée par son adversaire engagé, elle frappe en retour avec une attaque d'opportunité. C'est pas mal, hein? Plus 6 en constitution, moins 1 en force, plus 2 en force, plus 2 en force. Ouais. J'hésite entre Berserker et Sentinelle. Je pense que je vais prendre. Oh, Chéri, t'es plutôt un Berserker, on est d'accord, hein?
plutôt qu'une plus qu'une sentinelle quand même. Allez. Et par contre, du coup, et ben on va faire à chaque fois qu'il s'engage, on gagne un point de bravoure. Voilà, ça fera un joli petit combo. On a un crochet. Quoi, pour essayer d'ouvrir ce coffre, tourner le crochet puis appuyer sur la souris pour l'enfoncer dans la serrure. Plus le crochet est proche de l'ouverture, plus il se relève. À l'inverse, s'il tressaute, il risque de se briser rapidement. Donc là, en fait, il faut tâtonner un peu. Voilà. Voilà. Il faut tâtonner doucement, voir comment ça se relève bien ou pas. Et si tout se passe bien, bah, on peut looter sans. En plus, sans voler. C'est quand même mieux. Bon, la dernière fois qu'on a essayé de faire ça, ça s'est très mal passé. Donc. Plus 40 sang, mais cette fois ça va bien se passer, pas deux fois quand même. Allez. 85. Évidemment. Je vais encore me prendre la garde dans la tronche. Bon. Traité sur la peste. On va le lire tout de suite, le traité sur la peste. Hein. Voilà. Obtenu 1. Alors peut-être cette fois se prendre un peu de l'armement quand même, parce que on n'a pas pris grand chose en armement. Là on a une épée à deux mains, on peut prendre soit de l'armure, les armures, ouais, les armures sont plus longtemps. L'armure renforcée là, en plus je pourrais même le fabriquer, je pourrais en faire un. 30 d'armure, 18 de garde, c'est énorme, trop bien. Toi, ouais, ça c'est de l'armure lourde, donc c'est plutôt, ça serait être pour, ça encore être pour Vico, hein, incroyable. Mais je pense qu'on va prendre ça, hein. C'est de la folie. Hein. C'est de la folie. Hein. Allez. Voilà. Donc on a tout récupéré ici, à part les rats et de la viande séchée, mais bon. C'est pas très grave, on va juste essayer d'éviter la garde. Hein. Évidemment. On va se planquer en forêt. Hein. Enfin, même en forêt, ils nous ont trouvé la dernière fois. Alors, ouais. De toute façon, ça va être l'heure de dormir, donc on va dormir un peu au fin fond de la carte. En espérant que ça se passe bien. Bah, tu vas te mettre là, toi. Cuisiner, on n'a pas de sel, donc de toute façon c'est pas possible. Il nous reste du loup, on va bouffer. Des champignons, parfait. Risque moyen, 10%. Ouais. Au pire, allez. Soldat versé. Bon. Toujours à 94, hein.